Alors, beaucoup de personnes me demandent un peu, éventuellement au niveau des candidats en politique pour la présidentielle. Je ne peux pas répondre, je ne peux pas demander chaque nom si chaque personne va être candidat ou candidate. Hein. Ce n'est pas possible. Par contre, on peut essayer de voir si le jeu peut me donner une information sur justement l'éventuel président ou présidente en 2022. Alors, information sur la personne. Donc, homme ou femme, qui sera élu président ou présidente en 2022, président de la France. Alors, on va voir ce qui sort. Neuf de carreau, 10 de trèfle. Ok, donc il y a bien quelque chose qui se débloque. Alors, on va voir qui ça peut être. Donc, qui va être président en France? Dame de cœur, il y a une femme. Hein. Alors, il y a une femme, mais il y a une femme qui va être déçue. Bon. Donc, je pense qu'il y aura bien une femme qui va se présenter, mais ça ne marchera pas. Parce que en face, ici, il va y avoir un homme. Un homme sérieux. Alors, ce ne sera pas quelqu'un de très jeune. Mais ce sera quelqu'un qui sera vu comme de quelqu'un de compétent et de sérieux. Et à mon avis, il peut y avoir ici et là une opposition. Alors, on va essayer de voir. Parce que la déception, je la vois plus par rapport à la femme, moi. Donc pour moi, voilà, on va essayer de voir ici. Et on va mettre ces deux-là de côté. J'ai une femme et un homme. Donc on va voir. Je ne dis pas de nom parce que je ne sais pas qui c'est. On va rester ici sur voilà, la femme, ici, candidate. Et là, on va rester sur l'homme. Puis on va regarder. Donc là, 9 de cœur et valet de cœur. À quelqu'un qui peut être quand même très... un petit peu immature quand même. Quelqu'un qui est plutôt agréable, mais qui est immature. Et là, ouais, c'est un homme qui est sérieux, là. C'est amusant, hein. Parce que là, on a vraiment l'homme, hein. Mais c'est pas quelqu'un qu'on connaît, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui se met pas en avant. J'ai plutôt qu'on en... Je pense qu'on entendra parler de cette personne-là plutôt sur le... Je dirais bien sur l'automne, voire... Ouais, je vois le mois d'octobre. Je sais pas. Je pense que c'est quelqu'un, c'est un homme. C'est un homme qui ressort. Et là, en face, il y a une femme, mais elle apparaît jeune. Jeune et plutôt immature, ici. Elle est trop dans le cœur, comment dire. Elle ne rassure pas. Voilà, c'est ça. Elle est trop immature. Elle est peut-être bien sympathique, mais elle ne rassure pas. Alors que là, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus solide. On a le roi de pique et puis le roi de trèfle. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus solide. Qui inspire plus confiance, on va dire. On va rester quand même à gauche et à droite. Sans jeu de mots, hein, je ne fais pas de gauche et de droite, hein, regarde. Alors, il y a une chance ici. Ouais, mais là, il y a quand même une opportunité ici. Oui, moi je pense qu'effectivement, il y aura un second tour pour cette femme-là. Mais là, il a le peuple pour lui. Il a les gens pour lui. Ici, il y a plus de cœur. Le cœur, c'est la popularité ici. Hein. Il y a plus de gens ici déjà. Et on va finir ici. Cette pique, elle risque de se retrouver un peu seule. Ah, il y a quand même un souci là. Alors, pourquoi j'ai du valet de pique ici, par contre? Ah, bah tiens, ça c'est curieux. Bah, je ne pensais pas. Et finalement... Finalement, ce ne sera pas lui. Alors, comment comprendre ce tirage? C'est curieux. C'est comme si finalement... Alors, il est possible que finalement, au début, il ait plus de voix. Moi, je parle du second tour. Hein. Ou plutôt, non. Au premier tour, il aurait plus de voix ici. Et à la fin, au second tour, eh bien, ce serait cette femme-là qui gagnerait. Parce que là, j'ai le valet de pique. Et là, j'ai le succès. Alors, une femme, oui. Alors, qui apparaît quand même comme trop jeune. Trop
trop immature, trop idéaliste, qui va quand même avoir une chance ici, puisqu'il y avait l'opportunité qui est sortie ici. Une proposition, et puis finalement, ça marche. Il y a le succès pour elle. Alors que là, on a quand même l'impression qu'au début, c'est vraiment quelqu'un qui rassure ou qui est sérieux. Et on a l'impression que les gens sont pour lui. Et puis finalement, là, eh ben, ça ne marche pas. Il y a un changement. Le succès, il est là. Ben, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt parti sur une femme. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, femme plutôt blonde. Plutôt blonde et plutôt immature. Mais c'est aussi l'idéal. Hein. C'est la carte de la sincérité et de l'idéal. Mais j'ai l'impression que c'est cette femme-là. C'est curieux. Bon, ben, écoutez, on verra bien. Hein. De toute façon, d'ici là, le... peut-être que la donne peut encore changer. Mais a priori, ça pourrait très bien être une femme. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des remarques dans les commentaires. Au revoir.